Je sais pas comment le tenir. Ah oui, ça déclenche. Ah, c'est chiant. Donc, dernière édition, je disais que je me suis planqué derrière un bac poubelle pour laisser passer une jeune femme avec son vélo. Là, c'est le canal de la Marnora. On fera peut-être une balade un peu longue. Oui. Ça s'intéresse Mayonnais, c'est une idée comme une autre. Oui. Bref, et le problème, c'est que en arrêtant derrière le bac poubelle, il se trouve que je me suis arrêté en même temps devant la porte d'appartement de mademoiselle. Donc, problème. Hop là. On va peut-être se faire une variante. Ça te dérange pas, on tourne de gauche toute. Ouais. Parce qu'il y a des rues de Nancy qui sont pas trop fréquentées, qui sont sympas à filmer. Voilà, c'est vert. On voit. Alors c'est malheureux, mais il y a quelques années, il y a un malheureux qui promenait son chien qui s'est fait renverser. Et je crois qu'il y a une plaque hommage. Mais bon, c'est toujours le danger des voies rapides. Puis bon, bref, il y a toujours des foufous sur la route. Alors c'est sympa. Là, on va faire 2-3 rues. Donc la rue Clodo de Nancy, où on est à proximité, où on se dirige vers la pépinière. Oh la vache, j'en reviens pas, il est 19h des brouettes. Oh oui. J'ai regardé la borne au rotateur. Thierry, c'est l'estomac qui creuse. Non, l'estomac, je m'en fous. Non, mais de je suis bien. Mon réglisse. Ah, pardon. Ah oui, je pense à ton chat, tu as raison. Mais là, il attend ses croquettes, là, oui. Mais ouais. C'est bien, t'as fait le nécessaire. J'ai mis de l'eau avant de partir. C'est le plus important. Je veux qu'il fait chaud, quoi. Il te fera peut-être, il te boudera un petit peu pendant 24 heures. Oui, mais... Enfin, je suis parti en voyage, il m'a dit qu'est-ce qu'il a fait. Ah, il était fâché. Il était fâché, oui. La fois d'avant, il était content de me revoir, mais la fois d'après, il était fâché. Ouais, bah ouais. C'est marrant, j'ai entendu qu'il arrête pas. Ah oui, ça, ses humeurs, comme tout être sensible. Et le membre de ma famille qui m'accompagnait, il a montré qu'il n'était pas content. Un petit café. Et aménagement de cabine de camion. Ouais, ouais. Ah, je te vois venir. Ouais, ah oui, c'est... Là, ah. Tu viens de... Oui, porte-gobelet. Bah, j'ai pas fait le lien tout de suite en fait. Porte-gobelet. Sans déconner. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde. Sans déconner. Ah ! Ouais. En fait, oui, je passe, ça se verra et vaut mieux pas, j'ai envie de dire, la caméra. Ouais. Il y avait une décalcomanie sur la vitre arrière du véhicule. C'était le logo Instagram. Et le mec affichait fièrement son pseudo de sans puis déconner. Oh, pardon. Donc on accélère. Ah, il se construit une maison. Oui, on va peut-être changer de trottoir. Mais il y a du monde qui promène. Ah oui, on évite les gens. C'est, bah oui, j'aime pas. Oui, c'est. Oh, c'est beau. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, ça pue les hydrocarbures et le goudron chaud. Burke. Ah oui, le sac poubelle là. Oui, je suis désolé. Après, ils sont pas heureusement. T'as le méfant, dis donc. C'est marrant parce que en faisant ça, moi je repense à Joueur du Grenier. Oui. Avant la renommée qu'il a eue sur le jeu vidéo, entre autres. Ouais. Et au début, il avait fait une formation comme ça. C'est comme ça qu'il a rencontré Seb en BTS, où je suis plus en formation. Et il bossait, il avait expliqué. Il bossait à faire des vidéos de promotion des villes. Donc il filmait, et voilà, il se promenait dans les villages, dans les villes, et était missionné à faire des maquettes vidéo pour présenter les charmes des lieux. Il bossait pour en partie les mairies. D'accord. Joueur du Grenier. Joueur du Grenier. D'accord. Il change un peu de registre. Bah... C'est bien. C'était sa formation, voilà, professionnelle de base. Et... Ah ok, formation. C'était ses premières missions gagne-pain, quoi. D'accord. Et puis comme ça n'a pas trop marché, il a réussi à les mettre dessous de côté.
C'est là où ils se sont dit, tiens, on va s'éclater à faire 2-3 trucs sur Internet. Mais ils l'ont fait avec tellement de talent qu'on leur connaît. Ouais. Du coup, ils ont eu leur renommée. Voilà, c'est très bien pour eux. Lui-même, il expliquait qu'il a eu de la chance de faire ça. Il a fait au bon moment les vidéos YouTube. Bah oui, ça joue. Eh oui, ça joue. Et maintenant, les Twitchers et les YouTubeurs qui débarrent, c'est le matériel que vous disiez, mais c'est pas forcément connu. Mais moi, je répondrais une phrase justement sage, qui est « J'aime à être reconnu, mais pas connu. » Ah, la reconnaissance. Oui, c'est ça. Je suis bien content de m'être manifesté sur Twitch au moment où, et sur YouTube, au moment où justement ça vacillait, c'était en déclin. Je me dis « C'est plus calme, plus posé. » Et ça me va très bien. Je vous préviens, là, je crois, les copains, je vous dis tout de suite, j'aurai pas le courage de tenir la caméra. Oui. Quand je serai en solo, le retour chez moi, ça sera rangé la sacoche et je mettrai mes dernières forces à rejoindre mon domicile. Je suis claqué. Je vais filmer un peu la pépinière, et puis arriver sur la Plastane, un petit 360, et hop, on va couper l'enregistrement. Non, parce que c'est pour aller sur la web. Pas eh oui, c'est traître. Parce que tu crois pouvoir traverser pour aller à l'autre bout, côté pépinière, mais non. Tu peux pas. On entend les corbeaux. Ah oui. Les corneilles, je sais plus. Ou les corneilles, ouais. Là, on peut, ouais. Allez, je te laisse regarder pour moi. Ah oui, il y a du monde qui arrive. Ah merde, il y a un peu de chaud avec sa main. Là, il n'y a pas des fous. Ça me fait penser, ce matin, j'ai croisé une boulangerie. Ouais. J'ai croisé un monsieur qui venait demander de l'argent. Il s'arrêtait pile dans le passage piéton, le feu passait au rouge. Ouais, bah, attention, monsieur, c'est rouge. Ça fait klaxonner, ouais. Monsieur, il était un petit peu handicapé. Regardez-moi ce beau parcours de fleurs. On va faire, c'est dommage qu'il y ait des jeunes, mais... Les compositions florales magnifiques des équipes vertes de la ville. Ils arrivent à faire des magnifiques pompos. Ah oui, c'est joli. Ouais, il faudrait que je filme quelques pompos florales. Ouais, parce qu'ils font un boulot remarquable. Je vais prendre une petite photo, tiens. Vas-y, prends une photo. Si il y a des gens, c'est pas grave. Ouais. Voilà, le parterre de fleurs est superbe. Je l'ai un petit peu. Mmh. J'avais des photos, si tu veux. À l'occasion, mais ça passe pas.